Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Je suis Nils et voici un nouvel épisode du Labo As Code. J'espère que ça va vous plaire. Alors, dans les précédentes vidéos sur ce sujet, salut à toi Haribo, j'espère que tu as passé une bonne journée. Dans les précédentes vidéos sur ce sujet, on avait monté via des outils d'infrastructure as code tout un labo de machines virtuelles pour simuler une partie d'internet avec du coup des opérateurs virtuels et des services. Et justement j'espère que ce soir on avancera un petit peu sur certains de ces services et en particulier sur une partie réseau. Alors est-ce qu'il y a que notre Haribo national qui est dans le coin? Ou est-ce qu'il y a d'autres personnes? A priori, il n'y a pas foule. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que j'aime pas forcément commencer un truc et puis attendre que les gens arrivent. Puisque je demande, tu es en pleine montée de version de Buster à Bullseye d'un serveur qui doit s'arrêter le moins possible. Ah, ça doit pas être évident, effectivement. Les mises à jour c'est pas évident. Moi je sais que j'ai des serveurs qui sont en CentOS Stream 8 qui avant étaient en CentOS 8, donc je les ai facilement mis à jour. Je sais que CentOS Stream 9 est disponible, mais faire la mise à jour des serveurs, vu que ce sont des serveurs physiques qui hébergent des machines virtuelles, c'est pas évident et j'ai pas l'impression qu'on puisse upgrader une CentOS comme on upgrade une Fedora. Et ça me fait me penser que je vais peut-être finir par passer ces serveurs en Fedora, parce que comme c'est juste des hyperviseurs, en termes de difficulté de maintenance, ça va quoi. D'ailleurs, en parlant matériel, je me suis amusé, j'ai récupéré deux trois bricoles, dont des petits trucs comme ça. Alors, je vais essayer de les montrer un peu à la webcam. Alors, hop, je vais le mettre de ce côté-là. Et je vais vous montrer le connecteur. En particulier, si j'avance encore un peu. Voilà. Donc là, on a le connecteur et puis on a un petit contrôleur. Et puis, si je vais de l'autre côté... Alors, je sais pas si la caméra va faire le point. Hop, voilà. Et là, on voit qu'il y a donc deux puces. Et qu'en fait, ce truc-là contient en fait 2 gigaoctets de flash. Et on appelle ça un Discon module. Et donc, le petit connecteur, si vous l'avez reconnu, eh bien, c'est un connecteur qui se branche sur les headers USB d'une carte mère, directement. Donc en fait, c'est ni plus ni moins qu'une clé USB de 2 gigas interne. Et en fait, c'est... Je vais pas dire exactement d'où je l'ai récupéré, mais je l'ai récupéré d'une appliance. Et en fait, ça contient quelque part la boot ROM de l'appliance. Et avec 2 gigas, ça permet de réinstaller potentiellement l'appliance si elle venait à avoir des soucis. Et donc en fait j'en ai récupéré 2. Donc celui-ci je l'ai pas encore reformaté, mais l'autre je l'ai mis dans un mini PC et j'ai réussi à installer dessus une Alpine Linux. Alors à quoi ça va me servir? C'est que en fait j'ai une petite machine avec un processeur Atom qui consomme pas beaucoup, qui est un peu ancienne et avec laquelle je me disais que je pourrais peut-être essayer de faire 2-3 bidouilles. Voire même en faire une petite machine de backup, parce que je peux mettre 2 disques durs dedans, donc je peux mettre un RAID 1 et donc avoir le système sur cette petite flash sans avoir une clé USB qui sort de la machine. L'autre option sur cette machine, vu que c'est une machine avec un processeur Atom assez ancien, il s'avère que la carte mère dispose encore d'un port parallèle ATA, un port ATA 133.
Et donc, j'avais envisagé de mettre en fait ce genre de petit appareil-là, qui est en fait un convertisseur. Donc là, on a d'un côté le parallèle ATA. On a une alimentation qui en fait est un connecteur d'alimentation pour disquette, enfin pour lecteur de disquette. Et le convertisseur, alors c'est un câble qui convertit en molex si jamais on n'a pas d'alimentation disquette, parce qu'aujourd'hui, bah, qui a un lecteur de disquette sur son ordinateur aujourd'hui? Et ça se convertit en compact flash. Donc ça, ce sont des cartes compact flash. Alors celle-ci fait 16 Go et celle d'à côté fait aussi 16 Go. Alors de mémoire, en fait, ça montre du coup, on peut voir, hein, voilà, ça fait comme ça. Et de mémoire, je crois qu'on voit les deux cartes. Alors celle-ci, à la base, normalement dessus, je dois avoir sur les deux cartes, je dois avoir un FreeNAS parce que en fait, ça fait partie de mon ancien setup de NAS avant que je mette un SSD pour le système. Et de fait, j'avais mis ça de façon à ce que le NAS, même pour son système de boot, puisse faire de la redondance. Donc si jamais j'avais une carte qui lâchait, normalement j'en avais une deuxième qui reprenait, sans souci. Et Haribo qui nous rappelle, ouais, un câble parallèle ATA, un disque master, un disque slave. Bah écoute, c'est très simple. Pour te dire que j'ai fait des tests, hop. Voilà un autre convertisseur parallèle ATA vers Compact Flash, avec cette fois-ci une Compact Flash de 8 Go. Alors cet adaptateur-là, vous voyez, il a un seul, il a, comment dire, un seul adaptateur. Alors a priori, on aurait peut-être pu en avoir un deuxième, mais je suppose que ça coûte moins cher. Mais en gros, le PCB est grosso modo identique, hein. Il y a même le connecteur, ici, le connecteur disquette. Et la longue nappe IDE. Alors que celle-ci, normalement, vu la quantité de petits câbles, elle doit être ATA 133, donc la dernière révision de la norme parallèle ATA, la norme IDE. Et justement, ce qui m'embête, c'est que ce truc-là est vachement long. J'aurais bien aimé mettre ne serait-ce que ce truc-là avec 8 Go, pour une raison très simple, c'est que comme ça, on est un peu plus à l'aise. Niveau système d'exploitation, j'aurais pu par exemple mettre une Fedora. Mais il se trouve que l'appareil en question, enfin la machine en question est très petite. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ben, si jamais je voulais me procurer un câble parallèle ATA, déjà d'une. Le prix que ça coûte par rapport à ce que c'est, je trouve ça abusé. Et en plus, on trouve toujours des trucs bah justement aussi longs que ce que je viens de vous montrer. Au mieux, ça fait 20 cm et au pire, ça en fait 50 cm. Après, sur les prix, figurez-vous que bon, on peut les trouver pour moins de 10 balles sur Amazon. Il y a des vendeurs eBay qui ont le toupet de vendre ça plus de 20 balles. Voili, voilou. Je peux peut-être montrer d'ailleurs la machine parce que de toute façon elle n'est pas branchée. Hop, voilà. Alors elle est peut-être un peu grande côté pour l'écran. Si ça passe. Allez, ça passe. Alors là, du coup, vu que c'est du joli entre guillemets noir laqué qui reflète bien, vous risquez de voir la webcam et les écrans dans le reflet, voilà. Comme ça, en plus, vous avez Puffy dans le reflet. Et en fait, si je l'ouvre, alors vous voyez, c'est assez simple, hein, il suffit de l'ouvrir. Alors je vais peut-être montrer l'arrière pour que vous rendiez compte un peu de l'épaisseur de la machine. Donc là, on a bien un I/O Shield classique, enfin un I/O Shield, l'arrière avec les ports sur une carte mère classique, on est dans du mini ITX, hein, mais ça reste une hauteur classique, donc ça donne une idée un peu de la taille de la bécane. Même si elle est un peu lourde à une main, parce qu'il y a quand même deux disques durs dedans. Et bien entendu, l'alimentation est entre guillemets externe, enfin il y a un mini bloc d'alimentation, mais ensuite il faut un bon vieux, une bonne vieille brique, comme d'habitude, quoi. Et donc voilà, à l'intérieur,
On a un premier étage entre guillemets avec des disques durs. Alors en fait, j'aurais pu mettre un lecteur optique, mais j'ai choisi de mettre un disque dur. D'ailleurs, j'ai laissé la connectique pour le lecteur optique au cas où. Et ensuite, si je retire le truc, hop, je vais peut-être montrer dans l'autre sens. Hop là. Et donc, on a voilà, les disques. Et ensuite, on a la machine. Et vous voyez, ouais, il n'y a pas énormément de place dedans, hein. Et donc, aller enrouler enfin, pas un disque, mais une nappe IDE là-dedans, c'est assez sportif. Donc, je me suis dit, avec la chaleur que ce truc fait et le petit ventilateur qui mouline comme pas possible et qui fait un bruit d'enfer et que j'aimerais remplacer, bah voilà. Et voilà, hop, je peux peut-être vous montrer comme ça. Mais voilà. Il reste de quoi mettre un petit truc en IDE. Et une autre option d'ailleurs pour ça. Alors j'essaye de faire le plus possible avec des trucs bien entendu en mode récup et j'essaye de pas aller acheter plein de trucs. Sinon à la limite j'aurais acheté une machine neuve hein, dans ce cas-là. Parce que ça niveau puissance c'est un Atom 330, ça date de 2008. Donc autant dire que niveau puissance, on est un peu embêté. Et donc, mais pour ce que je souhaite faire, ça suffit amplement. Et donc dans le genre petits trucs qui viennent se brancher assez facilement, il existe d'autres Discon modules comme celui que je vous ai montré, comme celui-ci. Mais qui viennent se brancher directement sur le port IDE, sur le port parallèle ATA. Et en gros, pour moins d'une vingtaine d'euros sur eBay, vous trouvez des cartes entre guillemets flash directement en port IDE, en port parallèle ATA. Donc en gros, ça prend beaucoup moins de place que ces trucs-là. Et niveau alimentation, c'est pareil, c'est beaucoup plus simple. Parce que ça suffit, je crois, à l'alimentation du port, ou alors c'est pareil, petit cap disquette et puis rouler jeunesse. Et du coup, ça coûte pas ultra cher. Mais bon, ayant déjà de la mémoire à disposition, j'aurais préféré utiliser un maximum l'existant, en fait. Bien, après ce petit chapitre en mode www.mavie.fr, on va revenir sur ce qui nous amène ce soir, c'est-à-dire notre labo AZCODE. Alors, tout d'abord, le schéma. Il est où le schéma? Hop, il est là. Vous avez vu mon visage se blanchir à cause de la lumière blanche du schéma, et je vais vous le montrer. Hop, on est là. Voilà. Et donc, maintenant que nous sommes là, eh bien, on va. En fait, ce qui se passe, c'est que on a donc notre schéma. Et qu'est-ce que notre schéma nous dit? Il nous dit qu'en gros, on a 6 routeurs qui viennent désigner 6 opérateurs imaginaires, hein, qui s'appellent de ISP1 à ISP6. Et que ISP1 et ISP2 fournissent un service DNS. Et que les autres ISP fournissent une à trois machines virtuelles. Et que... Hey, merci pour le follow, Dr. Mumba. Merci à toi. C'est très gentil. Et donc, je crois que sur ISP3 VPS1, on avait mis un petit serveur web pour dire qu'il y avait un service HTTP. J'avais collé le contenu de ma page perso dessus. Donc comme ça, au moins, il y avait un contenu d'exemple. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que nos routeurs ici sont interconnectés deux à deux et s'échangent les routes en utilisant le protocole BGP. Et nos DNS ici font à la fois DNS entre guillemets autoritaires, c'est-à-dire que ils peuvent justement proposer un ISP3 VPS1.example.com pour notre petit site, mais ils peuvent aussi aller chercher
sur Internet pour résoudre, je sais pas moi, linuxaffaires.org par exemple. Ce que j'aimerais tenter, parce que je sais que c'est l'un des intérêts du fait qu'il y ait plusieurs opérateurs et du BGP, j'aimerais bien essayer. Oui, pardon, Haribo, autorité. Autant pour moi. Non, mais t'as raison, faut savoir me corriger aussi, hein. Faut pas hésiter. Si je raconte des bêtises, je suis pas. Que les choses soient très claires, je me positionne rarement. Enfin, rarement. En tout cas, sur ces streams, je me positionne rarement en tant que sachant, en tant que détenteur de la vérité unique et universelle. Et donc, bah, si je raconte des bêtises, vous êtes tout à fait en droit de me le signaler, tant que ça reste respectueux et dans la bonne humeur. Ce qui est ton cas, Haribo, hein, donc t'inquiète. Donc, les serveurs DNS qui font autorité. Salut à toi, Fido de Tour. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Nous, on démarre tout juste, hein. J'ai fait une petite... j'ai fait un petit... Ah bah bon, ok. Comme ça, j'aurai pas ta mort sur la conscience. Ouf. Donc, ce que j'étais en train de me dire, en pensant au stream de ce soir... Alors déjà d'une, c'est... Hop, il va falloir que je ramène les VM. Alors, les VM, si je me connecte sur notre petit serveur de Homelab, Marvin, hop, et que je nous fais un petit sudo virsh list, on peut voir que toutes les VM prévues sont fonctionnelles. Et que si je fais un virsh net-list, là, on a tous les réseaux virtuels. Alors, il y a un default et un ex-default qui ne font pas partie du Homelab. On va les ignorer copieusement. De toute façon, ils ne poseront pas de problème. Enfin, si en fait default fait partie du Homelab, parce qu'en fait default c'est ce réseau-là. Donc c'est le réseau par défaut de libvirt. Et donc, si je désire me connecter sur notre. Alors, il y a une machine qui est un peu particulière dans ce lab, c'est ISP1 VPS1. Puisqu'en fait. Pour tout ce qui est mise en place de services, je veux au maximum utiliser des outils de gestion de conf ou d'infrastructure as code. Donc ça veut dire que déjà, les réseaux virtuels et les machines virtuelles qui sont représentées dans ce schéma sont toutes déployées via Terraform et Cloud Init. Les VM, elles sont popées comme ça. Et ensuite, lorsqu'il y a des gestions de conf à faire, donc par exemple mettre en place le serveur web sur cette machine-là, eh ben, j'ai utilisé Ansible. Et où est la configuration Ansible qui est poussée sur cette machine-là, eh ben, elle vient de ISP1 VPS1 qui a le droit de se connecter à tout. C'est un peu, je dirais, dans les limites qu'il y a pour que cette maquette soit représentative d'un bout de l'Internet mondial et convivial. C'est que ben là, on n'est que sur des IP privées. Et il y a ce petit truc là qui est en mode « Ouais, j'ai accès route partout, c'est open bar pour moi. » Et pour sortir sur Internet, bien entendu, alors il y a un NAT ici, ce routeur-là, c'est l'hyperviseur. Et il y a deux autres NAT, un ici et un là. De toute façon, à ce que toutes les machines, de toute façon, vont passer par ces routeurs-là pour sortir. Donc, elles vont NATer. Alors, j'aurais pu avoir un seul NAT ici, mais ça aurait voulu dire qu'il aurait fallu que j'ajoute des routes sur l'hyperviseur. Ça me semblait un peu relou. Et donc, si je me connecte d'ailleurs sur cette machine, hop, on va se mettre là. Alors, je me connecte directement depuis ma machine desktop qui me sert à streamer. Puisque j'ai mis en place quelques proxy jump SSH, ce qui me permet d'y accéder directement. Donc en fait, depuis un poste qui est sur le même réseau, il vient se connecter sur l'hyperviseur pour ensuite rebondir sur le routeur et ensuite là-dessus. Donc ça fait un peu des bonds dans tous les sens. Hop. Et si je vais dans SRV git la base code Ansible grep playbook et normalement si je lance juste
Juste le check, ouais, le check, c'est bien ça. Hop. Alors, est-ce qu'il va vouloir se connecter? Est-ce que ça veut dire que mon truc a redémarré comme il faut? Puisque la vidéo de la semaine dernière, donc, on avait essayé de corriger les petits bugs DNS qu'il y avait. En particulier, justement, le démarrage des serveurs DNS qui posait problème. Et qui, du coup, faisait que... faisait qu'on n'arrivait pas à se connecter à grand-chose, ce qui était dommage. Alors. Ça a l'air de se passer plutôt bien, donc voilà. Petit exemple, avec Ansible, tout ça se déploie. Et ça, c'est cool. Ce qui est aussi cool, d'ailleurs, et je voudrais, hop, au passage, vous le montrer, c'est ce dépôt-là, qui est sur GitHub, et qui est accessible à toutes et à tous. Puisque c'est tout le code source de justement du labo. Donc vous allez trouver dedans tout, tout le code Terraform, tout le code Ansible et tout le code CloudInit. Alors, salut à toi d'ailleurs, bienvenue Yux. Alors concrètement, mes serveurs me permettent d'administrer quoi? Alors c'est du lab, c'est de la maquette. Merci d'ailleurs pour le follow, merci à toi. C'est de la maquette. Donc en gros, l'idée c'est de fournir des services, de tester, faire comme si c'était de l'internet, mais sans être vraiment sur internet. Donc l'idée c'est que pour le moment, le serveur qui administre entre guillemets le reste, bah, c'est celui-ci, là, celui qui est en haut à gauche, le ISP1 VPS1, sur lequel je me suis connecté, et j'ai lancé un truc Ansible. Le but c'est pas de faire un truc, comment dire, c'est pas d'avoir un service réellement sur internet, le but c'est de faire comme si, de maqueter, de se dire tiens, est-ce qu'on pourrait reproduire, je sais pas moi, un incident qu'il y aurait eu sur internet pour montrer les impacts et voir comment ça se passe à une plus faible échelle. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Yux. Une machine sur laquelle j'aimerais me connecter, ce serait... Je sais plus si j'ai activé le SSH sur les routeurs. Donc on va regarder ça tout de suite. At ISP1 au routeur 1. Ah oui, c'est .example.com. Hop. Alors, on pourrait... Alors je sais pas si on pourrait voir tous les types d'incidents. Mais par exemple, vu que les routeurs sont en BGP sur le schéma, on pourrait envisager de mettre des mauvaises configurations BGP et voir les impacts, par exemple. Comme on a des DNS, on peut très bien aussi volontairement mettre des enregistrements DNS complètement pourris et voir ce que ça donnerait. Si jamais je fais un show IP BGP là-dessus, si je le fais en summary, voilà, et si je le fais en IP route, voilà, là on a toutes les routes par exemple. On peut voir que sur le routeur 1 de l'ISP1, on a en directement connecté, bah, on a deux réseaux, enfin même trois techniquement, 4 d'accord, il y en a 4, voilà. Ces quatre là, et si on regarde sur le schéma, en fait, sur ce routeur là, on a bien 1, 2, 3, 4 réseaux directement connectés. Et tous les autres, avec le B devant, c'est qu'ils sont en BGP, en fait. Et on peut voir par quel endroit il a reçu les routes. Donc on a a priori 1, 2, 3, 4, 5 routes qui arrivent par la 10.1.2.2. La 10.1.2.2, c'est lui. Donc en gros, lui, il vient communiquer avec lui, il lui dit « Tiens, j'ai 5 routes qui vont t'intéresser. » Et de l'autre côté, il y a lui qui va le voir et qui va lui dire « Eh, au fait, j'ai 5 routes qui vont t'intéresser. » Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut voir, voilà, différentes routes. Et donc, ce que j'étais en train de me dire, si je fais un show configuration, hop, on peut voir donc que grosso modo, lui, il annonce juste... il annonce... Voilà, il annonce trois réseaux, enfin techniquement 4, il en annonce 4. Alors pourquoi je disais 3, c'est juste que j'oublie souvent la route par défaut en fait, c'est tout. Ça fait partie des différences, je dirais, entre ce que j'ai pu voir dans la réalité et ce qu'il y a ici dans ce
dans ce, comment dire, dans cette maquette. Encore que des routeurs BGP qui poussent la route par défaut, ça peut arriver hein, dans du BGP interne. Bah, j'essaye d'être organisé sur ce truc-là, ouais, Yux, histoire de pas trop m'y perdre. Et donc, eh ben, on peut voir qu'en fait, les trois réseaux, c'est alors le 10.1.0, le 10.1.2 et le 10.6.1. Donc le 10.1.0, c'est celui-ci. Le 10.1.2, c'est celui-ci. Et le 10.6.1, c'est celui-là. Donc en fait, il annonce ces trois réseaux-là. Pourquoi il n'annonce pas celui-ci? Bah, parce qu'en fait, il fait partie de la route par défaut, tout simplement. Et donc, ce que je me disais, c'est que ça pourrait être marrant, parce qu'aujourd'hui, j'ai deux serveurs DNS qui ont deux IP différentes, et je me demandais s'il n'y aurait pas moyen de faire en sorte que, mes DNS soient accessibles via la même IP. Pour un truc, pour reproduire quelque part ce qu'on pourrait dire un second DNS type Google ou Cloudflare. Parce que aujourd'hui, techniquement, un serveur DNS comme bah justement Cloudflare, donc 1.1.1.1 et 1.0.0.1 ou Google DNS, donc 8.8.8.8 et je crois que c'est 8.8.4.4, si je dis pas de bêtises. Je les connais pas par cœur. Les seuls que j'arrive à retenir, c'est ceux de Cloudflare. C'est ça, 8.8.4.4. Ok, merci Yux. Bah, en gros, vous n'avez pas juste un serveur derrière. Vu tout le trafic qu'ils doivent avoir, c'est pas possible qu'il y ait juste un seul serveur derrière. Il y en a très certainement plusieurs. Et pour aller vers une adresse IP unique, il est probable que cette adresse soit disponible via plusieurs routes. Et que, par exemple, quand on est en France, 1.1.1.1, on va passer par un réseau, on va très certainement atterrir chez Cloudflare en France ou en Europe, alors que si on est aux US, on va atterrir chez Cloudflare, mais aux US, de façon à éviter que d'un côté ou de l'autre, c'est aller à traverser un océan, ce qui rendrait les temps de requête complètement aberrants. Or, si ici, depuis ISP6, alors Cloudflare propose ce qu'on appelle du CDN, avec, en tout cas à l'origine, leur produit principal, de ce que j'en ai compris, ça reste un CDN, c'est-à-dire un Content Delivery Network, c'est-à-dire que tu te retrouves avec des assets qui sont disponibles au plus près de tes visiteurs sans que ça aille sur ton site. Et donc Cloudflare, à ce titre, a des infrastructures dans, on va dire, toutes les régions du monde à peu près, de façon à ce que si jamais tu as un site web en France et que tu as un visiteur australien, eh bien, le trafic statique de ton visiteur australien n'ira pas jusque chez toi en France, mais il ira taper sur les serveurs Cloudflare en Australie ou dans la zone Asie-Pacifique. Et du coup, pour revenir sur ta remarque sur l'anti-DDoS, quand on est quelqu'un comme Cloudflare, ou comme Akamai d'ailleurs, puisque Akamai fait pareil, ou d'autres produits, hein, je les cite plus pour l'exemple que pour faire de la pub, hein. Alors, pour les histoires de l'égalité, je t'avoue que je suis pas avocat, donc je saurais pas te dire. Mais en tout cas, pour la partie anti-DDoS, quand tu te retrouves, comme Cloudflare ou Akamai, avec un réseau opérateur, avec une infrastructure qui est étendue sur tout le globe, et que de toute façon, tu fais en sorte d'être au plus près des régions pour pouvoir fournir du contenu assez rapidement, l'anti-DDoS devient un produit complémentaire assez intéressant. Puisque, de fait, merci pour le follow, Wegro, merci à toi, c'est gentil. Et ben, de fait, pour protéger les sites internet, déjà tu vas apporter potentiellement de la rapidité au site internet, mais en plus tu as justement cette couche en particulier
qui vient potentiellement apporter une protection. Et en plus de la protection anti-DDoS, Cloudflare propose d'autres protections, genre par exemple ce qu'on appelle du Web Application Firewall ou du WAF en plus court, pour par exemple bloquer certaines requêtes qui seraient malveillantes. Concernant l'histoire de trucs Lego, Haribo qui rajoute pas particulièrement, c'est juste que c'est très utilisé par l'ensemble du marché, donc aussi très utilisé par cette part du marché qui est douteuse. Effectivement, j'ai envie de dire ouais. Salut à toi Rhys Jack, bah écoute, ça va très bien, et toi, j'espère que t'as passé une bonne journée. Et donc aujourd'hui, bah voilà, des fabricants, enfin des gens qui comme Cloudflare font du CDN proposent des services comme ça qui sont globaux, et le DNS en fait partie. La forme, ah bah génial, si t'as la forme, c'est chouette. Moi, je suis content quand les gens vont bien. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ben, le service DNS de Cloudflare, ou de Google, ou de IBM, par exemple, ou même de Cisco, voilà, de ces grands-là, aujourd'hui, ils vous montrent des adresses IP. Ils vous disent, ben, vous mettez telle IP comme serveur DNS. Et ces IP-là sont joignables partout dans le monde, et ils font en sorte qu'il y a un temps un temps pour la requête, la latence, il faut qu'elle soit faible. Et donc, ce que je me disais, c'est que ça pourrait être marrant que... ça pourrait être marrant si, par exemple, ici, je rajoutais une IP à mon serveur DNS, qui serait, par exemple, 10.53.53.53, tiens, soyons fous. Donc, lui, il est cette IP-là, et que lui aussi, hop, ici, il est cette IP-là, pareil. Et que en gros, ce soit BGP qui dise, eh, au fait, lui là, ISP6 VPS1, vu qu'il va être plus proche de ISP1 que de ISP2. Et eh ben, il va pouvoir, quand il va faire un ping vers 10.53.53.53, ben, il va aller là. Et donc, c'est ça que j'aimerais bien mettre en place, en fait. Yux qui dit, j'ai l'impression d'avoir rien appris dans mon BTS SEO. Je suis persuadé que tu as appris plein de choses intéressantes. Je n'ai pas fait cette formation-là, moi. Et, alors, ma mémoire me fait peut-être défaut, mais je pense pas avoir mis en place du BGP lors de mes études de post-bac. Mais j'ai pas fait... Si ça peut te rassurer, j'ai... Ah si, j'ai fait du VPN. J'ai fait du VPN en licence pro. J'avais fait du VPN. Mais pas de BGP. J'avais fait du routage dynamique. Je crois que j'avais fait du RIP. Ça, le RIP V1, RIP V2, le truc de base pour apprendre. Et je crois que j'avais fait... Je sais plus si j'avais fait de l'OSPF. Je me rappelle plus. Mais toujours est-il que j'avais quand même vu les bases du routage dynamique. Et à Haribo qui a priori nous bat tous parce que a priori il était à l'école avant IPv4. Mais c'est pas grave. Ça montre justement qu'on peut attendre, on peut apprendre plein de choses même après l'école. Et j'ai envie de dire heureusement. Donc la question que je me pose. Ah, IPv4 existait, il était juste pas enseigné. Ah oui. Bon. Si ça peut te rassurer, IPv6 existait déjà à mon époque et il était pas enseigné non plus. D'ailleurs, vous remarquerez que pour l'instant, tous mes exemples sont en IPv4. Hein. Je me suis pas mouillé avec IPv6. Hein. Ça pourrait être une idée de stream, un de ces quatre, si j'ai le temps, de streamer découverte d'IPv6, parce que pour l'instant, je suis une quiche, mais alors monumentale en IPv6. En fait, même, je pense que je suis au-delà de la quiche, parce que je suis pas sûr de pouvoir mettre en place quoi que ce soit en IPv6. Donc, ce que je suis en train de me dire...
c'est comment est-ce que je peux faire en sorte que mon réseau, mon réseau. Ah, ça lui rancune. C'est gentil de passer nous voir. C'est vrai que ce soir tu streams pas. J'ai cru comprendre que tu avais des soucis au niveau internet pour avoir un débit correct pour streamer. Oups, mauvais focus. C'est pas grave, on t'en veut pas. Mais si ça peut te rassurer, moi, vu l'échec critique que j'ai fait dimanche en voulant tester un setup de stream, on va dire vacancier, je streamerai pas non plus pendant mes vacances. D'ailleurs, j'espère que tes vacances se passent bien, Rancune. Mais du coup, mais qui je vais raider ce soir après le stream, moi? Merci pour le follow, Daradal. Merci à toi, c'est très gentil. Non, mais attendez, il y a un problème. Ça fait combien de semaines que je raid Rancune? Tous les jeudis soirs, depuis qu'il s'était mis à streamer le jeudi, je le raidais consciencieusement à 22h tapante. Je vais faire quoi ce soir? Bon. Donc j'en étais à comment est-ce que je vais faire en sorte que j'ai mon IP qui soit à deux endroits à la fois. Parce qu'on pourrait penser que c'est du conflit d'adresse IP. Dit comme ça, ça a l'air un petit peu casse-pied. Ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui se passe. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas me connecter. Alors où est-ce que je suis? Ah oui, je suis sur ISP1. Donc si je me connecte sur, alors, sur le routeur 2, ISP2, routeur 2, .example.com. ISP2, routeur 1, pardon. Hop là. Voilà. Et que je fais ici aussi un show config. Hop. On va voir qu'au niveau BGP, voilà, j'ai aussi des trucs. Salut à toi Osnerol62, j'espère que t'as passé une bonne journée et que tu vas bien. Donc là, a priori, niveau conf BGP, on est pas mal. Hein, on a les trucs de base. Et ce que je me demandais, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais je rajoute. Alors, si je passe en mode de configuration, configure, hop, et que je fais... et que je fais un set protocols BGP, adresse family IPv4-unicast, et que je lui dis network. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre carrément un slash 24 en entier, et je vais lui dire que ça va être 10.53.53.0/24. Et ensuite, je fais un commit. Ah. Ouais, ok, il a passé le commit. Donc, ma commande, elle est valide. Je vais exit. Donc, il me dit, au fait, j'ai pas sauvegardé. Mais Arnaud Osnerol, ce n'est pas de la configuration de VLAN, c'est de la configuration de routage dynamique BGP. On tente un petit truc à la con. J'espère que ça va passer. Donc, si je refais un show configuration, est-ce que je peux... Hop. Alors, donc là, il m'a mis le nouveau network. Jusque-là, tout va bien. Et ensuite, je peux faire peut-être un show IP route. Voilà. Et donc, il me... Donc, a priori, il ne me montre pas quoi que ce soit à ce niveau-là. Par contre, ce qui peut peut-être être intéressant ici, c'est que je reviens sur le routeur 2, enfin, sur le routeur 1 de l'ISP2. Merci beaucoup pour le follow, Tyler D42. Merci à toi. Et donc, si je viens sur l'autre routeur, là, si je fais un petit show IPBGP summary, pour le moment, la route n'est pas propagée. Alors, est-ce que j'aurais des choses à rajouter? J'ai un update source. Bonsoir à toi aussi, hein, Tyler, et bienvenue sur la chaîne. Donc, a priori, j'ai rajouté ça. Donc, il y a peut-être un temps de propagation, hein, mais pour le moment,
pour le moment. Alors je pense que c'est aussi peut-être parce que... Ah oui, alors IPA parce que c'est un Linux, mais show IP, IP route. En fait, je pense qu'il ne le monte pas pour une raison très très simple, c'est que de toute façon, il ne l'affiche même pas en directly connected. Ce que je suis tenté de vouloir faire... Salut à toi, tabouret de cuisine. Alors, combien de temps hors boulot à travailler, faire de la veille techno? Bonne question. C'est une bonne question. Pour être honnête... Ah bah Osnerol62, pourquoi en unicast? C'est une excellente question, c'est que pour le moment je débroussaille le sujet, je sais absolument pas comment faire, donc je tente d'abord de rajouter un truc comme ça. Tabouret de cuisine, j'en ai pas la moindre idée. Je ne prépare pas particulièrement mes streams, pour être honnête avec toi. Donc, il y a pas mal de choses que j'ai apprises en direct. Donc là, par exemple, typiquement, comment je vais faire en sorte que ici, sur mon schéma, je réussisse à avoir les deux DNS avec la même adresse IP, je n'en ai pour l'instant pas la moindre fichue idée. Mais sinon, j'ai envie de dire, le temps que je passe à bidouiller des trucs, j'ai envie de dire que je suis peut-être à entre 5 et 10 heures par semaine. Il fut une époque où c'était beaucoup plus. Hein. Et je pense que dans les prochaines semaines, ça va être beaucoup moins. Parce que ce sera les vacances. Donc, ce que j'étais tenté de me dire, c'est que si je fais un show IP, non, alors si je fais un show interface, je crois que c'est show interface, voilà. Donc là, j'ai des interfaces. Je me demande si je peux créer une loopback. Si je fais interface Ethernet, genre un demi quelque chose. On va aller regarder, tiens, on va aller se renseigner sur la documentation de VaiOS, qui est donc l'OS que j'utilise pour router. Si je fais VaiOS add demi interface. Hop, demi interface. A priori, ça existe. Une double loopback, c'est possible. En fait, tu rajoutes ce qu'on appelle les interfaces dites demi. Qui sont des interfaces entre guillemets internes. Donc a priori cette interface demi dom 0. Ok, donc là je peux faire du coup un alors je reviens en mode de configuration, configure, hop, et je fais un set interfaces, on va l'appeler demi 0, hop, et adresse interface internet is not valid. Mais c'est une blague. Où est-ce que j'ai loupé? Ah oui, cette interface demi 0. Voilà. Donc là, maintenant, ça va être mieux. Ouais. Et donc là, je file l'adresse. Oui, c'est une interface virtuelle, Osnerol. Tout à fait. Pop. Et on va dire 10.53.53.1. Et il va falloir peut-être mettre un slash... un slash 32. Je vais tenter avec un slash 24. Hop. Demi interface must be named dumb n. Ah, ok. Donc le nom de l'interface est normé. Enfin, normé, en tout cas, il est limité. Ok. Merci beaucoup. Oh, Rhys Jack, merci. Merci tout plein, Rhys Jack. C'est très gentil. Ça me fait très plaisir pour ce sub. Ah, ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Oh, et puis en plus, c'est ton deuxième mois déjà. Ça commence bien, ça. Merci, hein. Encore merci pour ton sub, Rhys Jack. C'est très gentil. Le soutien est grandement apprécié. Je tiens à ce que tu le saches. Mais du coup, tu savais déjà, mais du coup, tu vas pouvoir continuer à profiter
Justement, et d'ailleurs, tu en profites dans ton petit message des emojis moutons. Et ben écoute, pour les streams de qualité, ben écoute, moi, je suis très heureux d'avoir un sub de qualité comme le tien. Alors, pop, 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 pom. Donc, j'ai une interface. Si je suis un petit commit, qu'est-ce qui se passe? Ok. J'exit, donc il va encore chouiner parce que j'ai pas sauvegardé la conf, mais c'est volontaire. Et si je fais un show IP-route, on a un, voilà, on a un 10.53.53.0.64 qui est directement connecté. Et donc, si je viens ici, est-ce que la route, elle passe? Non, toujours pas. Alors, à mon avis, comme c'est indiqué par ici, il va falloir dire... Set protocols BGP neighbor update source DOM 0. Alors. Alors. Parce que du coup, moi aujourd'hui. Quand j'ai le neighbor. Ah, j'ai un address family IPv4 unicast ici. Update source 10.1.2.1. Ah, mais c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, ça. Ah, remarque, non, ça, c'est le... Donc là déjà je commence à être un petit peu embêté. Donc en gros, si je comprends bien, comme j'ai une interface demi. Ah mais pourtant je lui balance. Donc est-ce que je peux faire un show interfaces? Ouais. Donc j'ai bien un DOM 0. J'ai un ETH 0. Tout à fait, Osnerol. Le BGP, il permet le routage dynamique externe. Donc en fait, si je reprends mon schéma, ici, tu vois, ISP1, lui, va annoncer les trucs auxquels il est directement connecté. Et il va les annoncer à ses voisins. À ses voisins directs. De fait, si je me connecte sur le routeur ISP4, eh bien, le routeur ISP4, il va récupérer les routes pour aller jusqu'à ISP1, mais il va pas les récupérer directement en disant, au fait, je sais qui il est. C'est ISP3 et ISP5 qui vont lui dire, au fait, moi, j'ai moyen d'aller jusqu'à la 10.1, la 10.1.0.0. Et en gros, ce que je fais, c'est que sur chaque routeur, je lui dis juste, j'annonce les réseaux auxquels je suis connecté directement, et tout le monde se fait des échanges. En disant, au fait, moi je connais la route pour aller par ici. Moi je connais la route pour aller par là. Salut à toi Manon! J'espère que t'as passé une bonne journée et que ça va bien. Allez, magnifique! Magnifique à Haribo. Le système essaie de me résister, il se croit plus malin que moi, mais à malin, malin et demi. Alors pour le coup, je pense que le système est réellement plus malin que moi. mais c'est probablement juste un système de pensée de ma part. Je pense que là en l'occurrence, en ce moment, je dois faire un truc qu'il faut pas. Probablement. Parce que j'ai des interfaces. Le système n'est pas malin, il est juste configuré pour. pas mal Manon. Donc j'ai une interface. J'ai une interface, elle existe, elle a une IP. Elle est dans un réseau. Donc j'ai lui. Si
Donc il a un poids. Ce qui est assez sympa, quand on fait comme ça, là, le show IPBGP, on peut voir, tiens, justement, ça t'aidera peut-être à voir, Osnerol. Par exemple, là, tu vois, le 10.3.4.0, tu vois qu'en fait, il est annoncé par deux autres routeurs. Il est annoncé par le 10.6.1.1 et par le 10.1.2.2. Et en fait, tu vois le chemin avec les trucs en 65 000 quelque chose. En fait, ce sont ce qu'on appelle les numéros d'AS. Un AS, ça veut dire un autonomous system. Et en fait, le principe, c'est que chaque opérateur possède un numéro comme ça. Alors ça, ce sont des numéros privés, de la même façon qu'on a aujourd'hui des IP privés et des IP publics. Tu as des numéros d'AS qui sont publics et tu as des numéros d'AS qui sont privés. En gros, tous les 65 000 quelque chose sont privés. De ce côté-là, tu peux voir par exemple que si je passe par le routeur 10.6.1.1 pour aller rejoindre ce réseau, et ben je vais passer par un opérateur de plus. Si tu comptes le nombre d'opérateurs, le nombre de hops, le nombre de sauts, tu vois, là j'ai 3 sauts. Et là, j'en ai que 2. Donc, le routeur ici, le routeur ISP1, routeur 1, lui, il va vouloir privilégier là, le chemin par le bas. Donc lui, il va vouloir passer par le bas. Je veux dire par le bas, par le plus bas des deux, ici, sur cet affichage. Mais en gros, si je te montre sur le schéma, donc on est ici. Là, je t'ai montré la table de routage ici. Et donc, le 10.1.2.2, c'est ISP2, c'est lui. Et le réseau 10.3.4.0, c'est en fait le réseau ici, le réseau entre ISP3 et ISP4. Donc pour atteindre ce réseau-là, en fait, tu peux passer soit par ISP2 puis ISP3, donc deux sauts, deux hops, soit tu peux passer par ISP6, 5 et 4, donc trois sauts, trois hops, et tu peux le voir ici, donc ISP6, ISP5, ISP4, puisque donc j'ai numéroté les numéros d'AS en fonction de mes noms, numéros d'ISP, donc numéros d'opérateur, et donc là, juste 2 et 3. Et tout à fait, Osnerol, c'est comme ça que l'on optimise les flux. C'est ce qu'on appelle, je crois, des algorithmes à... mince. À... flûte. Ah, j'ai mangé le nom. J'ai mangé le nom. Alors, la... non, pas toujours. Pas toujours. Ici, j'ai rajouté la route par défaut parce que ça me permet de... Alors, le temps que les... non, c'est pas la convergence. Tu sais, c'est les algorithmes. Les algorithmes par... c'est pas les trucs de coût de lien. Enfin bref, mais en fait la notion de route par défaut, elle est entre guillemets optionnelle, c'est-à-dire que moi je la fournis pour pouvoir sortir sur internet, mais ouais c'est ça, c'est les métriques Tyler, je crois que c'est, alors les métriques, oh non j'ai mangé le nom, je crois pas que ce soit ça, c'est un peu lointain, va vraiment falloir que je révise ces parties-là. Je dis réviser comme si j'étais à l'école, mais c'est plus pour ma compréhension. Oui, le coût d'un saut, effectivement, c'est une métrique. Bien vu, Tyler. Mais en gros, pour la route par défaut, quand t'es vraiment sur Internet, que ton truc est branché, entre guillemets, que tu es un opérateur, j'ai envie de dire. Alors, opérateur, c'est pas juste genre Orange Free SFR Bouygues. Hein, ça peut être, par exemple, un hébergeur. OVH est un opérateur aussi, quelque part. Enfin, oui, OVH est un opérateur. Et pas seulement parce que maintenant, il propose de la DSL. Mais même en étant juste la partie hébergement de serveurs dédiés, de VPS ou d'hébergement mutualisé, OVH est un opérateur. Ils ont leur numéro d'AS, peut-être même plusieurs, je ne sais pas. Et ce qui se passe, c'est que bah, les routeurs en tête de pont du réseau OVH, eux, ils ne viennent pas demander une route par défaut. On ne leur en fournit pas. Ce qu'ils ont en fait par rapport aux routeurs avec lesquels ils communiquent,
ils vont avoir ce qu'on appelle une full view, c'est-à-dire qu'ils vont avoir l'intégralité de toutes les routes publiques disponibles sur Internet. Et donc, c'est ça, l'intégralité des routes. Et du coup, quand t'as l'intégralité des routes, t'as plus besoin d'une route par défaut. Puisque tu les connais toutes. Après, dire « je les connais toutes », c'est quelque part, c'est un peu comme Obi-Wan Kenobi quand il parle de Dark Vador et d'Anakin Skywalker. C'est-à-dire que la vérité dépend avant tout de ton propre point de vue. Si tu es OVH, tu vas être à X sauts de Google ou de, je sais pas moi, de Facebook. Mais si tu es Microsoft, tu seras pas forcément à la même distance de Facebook, de Google ou d'OVH. Donc forcément, les coûts sur les routes vont pas être tout à fait les mêmes. Et bien entendu, comme il y a des routes que tu connais déjà, tu les auras pas dans la table de routage dynamique. Voilà, voilà. J'espère que c'est relativement clair, que je n'ai pas raconté trop de bêtises non plus. Puisque visiblement, il y a aussi des connaisseurs dans l'assemblée. Et ça, c'est cool. Donc, a priori... Alors, est-ce que ce serait mon temps de convergence qui est long? Non, a priori, il ne propage pas. Hein. Il ne propage pas le 10.53.53.0/24. Salut à toi, The Bidouilleur. Bah, c'est très gentil, en tout cas, de passer faire coucou. Merci à toi. J'espère que tu resteras assez pour apprécier. Et puis sinon, au pire, il y a le replay. Hein. Alors, ce que je peux peut-être faire... Coucou, Manon. Ce que je peux faire, éventuellement... Salut à toi, Cool Freeze. Manon, tu disais coucou à Bidouilleur. Déjà, bienvenue. Alors, on est en train de faire joujou avec un peu de BGP ce soir, Cool Freeze. Je voudrais essayer de rajouter un réseau. Pour le moment, ça se passe pas ultra bien. Configure. Alors, si je fais un history, j'ai un history ou pas? Bon, allez, vas-y, c'est bash. Voilà. Ce que je vais faire, je pense que je vais détruire le... alors, est-ce que je peux faire un no-set? Ou non, c'est del. Delete, voilà. Delete interface de nana, voilà. Et en fait, ce que je vais tenter, en fait, c'est de voir si sur... alors, je vais faire un petit commit. Voilà. Je vais exit. Et je vais... je voudrais tenter un truc dans le show IP... show interface. En gros, j'étais en train de me dire, est-ce que sur... Allez, donc du coup, il a fait sauter le truc, ok. Est-ce que je pourrais pas rajouter sur ETH0? Est-ce que je pourrais pas rajouter une IP? Si je regarde mon show configuration... Mon show configuration, a priori, j'ai une adresse. Est-ce que je peux rajouter un alias IP là-dessus? Que dit la doc... Que dirait la doc VIOS? VIOS add IP existing interface. À mon avis, le add IP. Ouais, non, c'est pas ça. C'est dans les interfaces. Système. Non, c'est peut-être pas dans le système, c'est dans Interfaces Direct. Ouais, c'est dans Interfaces Direct. Interfaces. Alors, est-ce qu'on peut faire des alias, par exemple? Demi, Ethernet. Ethernet, configuration. Donc, on peut créer une IP, ok. On peut rajouter une deuxième IP comme ça? Cache. Allons-y. Donc, si je fais un configure set interface Ethernet. Donc, a priori, c'est la ETH0, hein. Le inside, ok. Donc ETH0 adresse et donc j'ai dit 10.53.53.0/24. Enfin, point 1, pardon. Ok. Et
si je fais un petit commit, la question c'est est-ce qu'il m'a dézingué mon IP et mon IP existante. Donc si je fais un show interface, non il m'a bien mis les deux. Ok. Show IP route. Donc j'ai toujours mon voilà directly connected, mais cette fois-ci sur ETH0. Et lui, qu'est-ce qui se passe ici? Pour l'instant, il n'y a rien. Je voudrais aussi me connecter sur l'ISP6. VIOS at ISP6 router1.example.com. Et ici, je refais un show IP BGP summary. Donc là, j'ai ça. Ok. Et donc au niveau routage, pourtant je lui ai dit au fait route-moi ce réseau-là. Alors pourquoi est-ce qu'il n'en voudrait pas? Est-ce qu'il faudrait que je rajoute dans l'histoire des demi-interfaces que je lui dise set protocols? En lui disant update source, alors du coup moi ce serait ETH0? Je vais peut-être le tenter, tiens. Donc, set protocol. Alors, configure. Je configure. Ensuite, donc set protocols BGP. Set protocols BGP. On a dit quoi? Bah, mon numéro d'AS, c'est le 65001. Le neighbor. On va faire d'abord le... Comment ça, notre valide? Ah, c'est peut-être parce que l'autre... Donc ce serait le 65006, hein, avec le neighbor 10601. Neighbor. Hop. Et je lui dis update source. Ah. Pourquoi il dit 7 protocoles? Set protocols BGP. Set protocols BGP. Ouais, je dis update source. Et là, du coup, l'update source, pour moi, ce serait... Attends, il y a un truc qui me chiffonne. Il y a un truc qui me chiffonne. Je vais me faire une deuxième session là-dessus. Voilà. Si je fais un show IP, BGP... Non, show config. Si je reviens ici, j'ai bien... ça. Si je regarde le neighbor 10, donc local AS, ok, neighbor remote AS, ouais, update source 10.6.1.2. Ben pourtant, je vais pas lui mettre dans une interface réseau. Bon. Je vais peut-être regarder dans les options de BGP sur VIOS, il y a peut-être des choses intéressantes, non? Alors. Defining peers, compatibility, negotiation, ok. Peer group, route agrégation,
Configuration générale. Distance administrative. Timer, ok. La valeur par défaut, 180 secondes. Point hold time. Command specify skip live. 60 secondes. Route dampening, ok. Route sélection. Bon, là, on commence à aller sur des trucs un peu... Route filtering. Alors, j'en ai pas mis en place, donc je me pose la question de... Bon, route réflecteur, confédération, on n'y est pas. Hein. Show IP BGP, ok. La question que je me pose, c'est si je fais un show IP BGP. Là, pour le moment... Ah, il y a écrit 10.0.0.0. Mais attends, le 10... Le 10.1.0.0/24. Ouais, il l'envoie à tout le monde. Next, hop. Mais il l'a en fait. Si je tente un ping vers 10. Ah, il l'a déjà en fait, mais alors. Il y a un truc qui me chiffonne. Là, je suis sur le routeur 2. Si ça se trouve, je me prends la tête, mais en fait, y a, tout était déjà. Mais dans le summary, il m'affiche pas le. Il m'affiche pas le 10.53. C'est ça qui m'embête en fait. Je sais pas ce qui me manque. Parce que si je fais un show IP BGP sans le summary, j'ai bien le 10.53.53. Et si je fais ici et que j'enlève le summary... Ah oui, parce que le BGP summary me montre que les... Ouais, mais il me montre que les voisins directs, mais du coup... C'est pareil, ouais, il l'a. Je fais un ping... Je reprends cette... Cette IP-là. Elle passe. Bah, en fait, ce qui m'embête, c'est que... En fait, quand il est en summary, il affiche... Ah, mais il affiche les neighbors, il affiche pas les blocs. Enfin, les blocs. Il affiche pas les préfixes, il affiche que les neighbors, donc c'est normal. C'est normal. Le IPBGP summary, il affiche pas les préfixes, donc il affiche pas les sous-réseaux. Il affiche que les IP des neighbors. Pour qu'il y ait un truc de plus, faudrait qu'il y ait un neighbor de plus. C'est moi, en fait, qui ai pas compris l'affichage. Mais si je fais un show IP BGP, en fait, là, je vois les networks. Et on voit bien que le 10.53.53.0/24, il a bien été propagé. Si ça se trouve, avec le demi-zéro, ça passait aussi, hein. Alors maintenant, la question que je me pose, c'est si jamais maintenant je vais sur isp1dns1.example.com. Voilà. Je fais un IPADDR. Hop, un IPA. Donc là, j'ai une adresse IP. Alors. IP. Alors. Je pourrais faire mon gros bourrin. Je pourrais faire... Attends, ISP1... Ah, ben non. Je pourrais utiliser Network Manager. C'est de la Fedora. Ou je peux utiliser... Vu que je veux pas faire un truc qui, pour l'instant, qui est en... Comment dire? Qui est de façon, comment dire, pérenne. Pour l'instant, on va utiliser la commande IP. Donc, IP-4. ADDR show. Ok.
Ça doit être add, je crois. Non, c'est pas add, c'est... Alors, à une époque, ifconfig, ça, je le mémorisais tout seul. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Si je fais un ip-help. Moins h. Ah, il n'y a pas grand-chose. Bon, allez. On va pas s'embêter la vie. On va aller sur une autre machine, la mienne. On va faire man ip. Ip. On va faire man ip-adresse, si je me rappelle bien, c'est ça. Voilà. Donc, ip add. IP adresse add. Donc si je reviens ici, non pas ici, ici. Merci beaucoup pour le follow, Nosok. Merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Pop, j'étais ici. Donc IP, on va faire un format 4, ADDR adresse add. Et donc ce que je veux, c'est ajouter mon IP, enfin une IP. Donc IFADDR, donc l'adresse IP, ce sera 10.53.53.53. Voilà. Je veux le mettre sur dev, et ben ce sera ETH0, a priori. Et lifetime 1, ça on s'en fiche. Ah oui, bien vu. Alors du coup, est-ce qu'il me l'a... Ah, il a mis en slash 32. Donc il va falloir que je l'efface. Donc il faut que je fasse un del. Hop. Allez. Hop. Ah oui, d'accord. Ok, donc on rajoute. Hop. Add slash 24. Voilà. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que si je vais sur ISP1 router 1 déjà, ça je coupe, si là je fais un ping 10.53.53. Donc j'ai dit 53. Oui, ça répond. Alors, ça répond. Ça a l'air de répondre, mais moi comme je suis un peu flippé de la vie, que je ne crois jamais forcément tout ce qu'on me raconte. Je vais aller ici, je vais faire un petit TCP dump. Comment ça TCP dump est pas installé? Non mais. Non mais. Tu vas m'installer TCP dump tout de suite, voilà. Et puis, TCP dump, moins N, moins I, ETH 0. Voilà, donc là il y a plein de trucs. Et on va dire juste ICMP. Voilà. Donc là, il n'y a plus grand-chose. Je reviens là, je refais mes pings. Et là, c'est bon. Je vois mes ICMP, les replies, enfin les requests et les replies. Donc là, déjà, je suis un petit peu rassuré. Donc déjà, la connexion directe, ça passe. D'ailleurs, merci pour le coup du Dell, hein, Haribo. Hop là, ensuite... on est d'accord que ici, et même ici, j'ai les routes. Donc je peux tenter de me connecter au 53 aussi. Ça ping. Et on peut voir que j'ai. Pareil. Ça passe. Donc ça, c'est très cool. Ça, c'est très cool. La question que je me pose, c'est. On avait fait des bidouilles sur la partie DNS. Si je fais un petit SS-AN. PE, ça passe. Ça me tient un petit peu... c'était pas LNTP, je crois. LNTP. Si, voilà. Pratique. Donc, a priori, il écoute sur le 10.1.0.1.1. Ok. Et si je fais un système CTL restart... pas de soucis, Manon. Bonne fin de soirée à toi aussi. Repose-toi bien. Et puis, si jamais tu as envie de regarder la suite en replay, il n'y a pas de soucis. Osnerol, donc j'ai donc, si je reprends mon schéma, j'ai lui qui a la nouvelle IP, en plus de l'actuelle. J'ai lui dans ce même sous-réseau ici, je peux rajouter, hop, 10.53.53.53.
53.0/24. Et donc, lui, maintenant, il annonce ce réseau-là en plus à tout le monde. Il est directement connecté à lui sur le même subnet, et c'est bon. Et donc, lui... Enfin, j'étais où? J'étais sur lui. Lui, pour pinguer du coup la 10-53-53-53, bah, il est passé par lui parce que lui, il a filé les routes à ses copains. System restart DNS mask. Mais les IP que t'as ping derrière, il y a des machines pour répondre. Bah oui, en l'occurrence, là, la machine DNS, elle s'appelle ISP1 DNS1. Et elle est dans... hop. Ah, attends. Hop. Elle est là. C'est celle-là. Et d'ailleurs, je vois bien qu'il y avait le service DNS. J'ai relancé DNS mask pour voir si maintenant il écouterait sur... a priori, il écoute pas sur le... Ouais, parce qu'on lui a dit listen address, on lui a juste donné la 10.1.0.53. Donc oui, il y a bien des machines derrière pour répondre au ping. Hein. Donc pour l'instant, le ping, ça passe. Pour le DNS mask, il faudra voir... Ok, t'avais vu que les routeurs. Pas de soucis, pas de soucis. Donc il faudra sans doute reconfigurer DNS mask. Tiens, je vais peut-être le faire maintenant. Hop. Donc 10.53.53.53.53. Hop. Voilà. Et là maintenant, ok. Il répond. Donc si par exemple je vais sur ici et que je me connecte sur ISP, on va dire ISP4VPS1.example.com. Voilà, est-ce que j'ai dig là-dessus? Dig comment là-dessus ou DNF install, hop, moins Y install, c'est bind-utils de mémoire. Hein. Voilà. Hop, dig at 10.53.53.53, moins T, on va dire A, et on va lui dire ISP3VPS1.example.com. Hop, et ça passe, 10.3.0.101. Ok, donc là, on est bon. Il n'y a pas de firewall sur les machines, pour info. Donc ça, j'ai envie de dire, ça marche. Ça marche. Donc j'ai, entre guillemets, réussi à rajouter sur mon schéma, si je monte mon schéma pour le moment, il y a du coup ici, tout va bien. Et le trafic revient, enfin il arrive à être servi. Ce que je me demande, c'est si je fais la même chose, ou presque, sur ces trucs-là. Est-ce que les choses vont aussi bien se passer? Et est-ce qu'ils vont pas se faire la petite guéguerre, ces deux-là, entre le subnet? On va tester, hein. Donc là, je peux me déconnecter. De toute façon, ça sert pas à grand-chose. J'ai vu ce que... Hop, voilà. Donc, je vais aller sur le ISP2 routeur 1. Je me mets en configure. Si je tente un history, qu'est-ce qui se passe? Alors, je peux faire un... Tac, tac, tac. Je vais rajouter une interface. Enfin, je vais rajouter une IP à une interface ici. Alors, par contre, ce ne sera pas la point 1. Je vais prendre la point 2. Voilà. Ensuite. Ouais, je vais voir si ça passe. Honnêtement, c'est juste en mode j'y vais bête et méchant. J'ai comme un doute sur le fait que ça le fasse. Donc là, je lui ai mis une IP. Et maintenant, ce que je veux, c'est rajouter. Si je fais un show. Configuration. Voilà. Ah tiens, c'est pas ça. Exit, allez.
Et donc là, j'ai rajouté directement un network. Donc, set protocols, hop, comme ça. Voilà. Je commit. Et ensuite, on va aller regarder sur l'ISP Router 6 si je fais un show IP BGP. Pour le moment, depuis ISP 6 Router 1. Si je fais un show IP route, déjà il me dit au fait directement connecté. Donc là déjà, ce qui est marrant, c'est que il a gardé. Donc il a la sienne et il a celle du 10.1.2.1, qui est donc celle de l'ISP1. Et si je tente un ping donc depuis le routeur 2 de 10 vers 10.53.53.53, 53, 53, ça ne passe pas. Voilà, host unreachable. Alors maintenant, ce qui va être marrant, .example.com, c'est pas mal. Et hop, je vais lui dire, vas-y, fais la même. Alors, on va peut-être mettre ce passé route, voilà. Je vais faire pareil, tiens d'ailleurs, je vais installer un TCP dump. Et donc, pour Osnerol, ça pourrait passer parce que... Ah oui, parce que je suis sur des AS privés. Probable. Si je reviens ici et que je retente un ping... Non, c'est pas le 6, c'est le 2. Enfin, c'est le ISP2 routeur 1. Donc cette fois-ci, ça passe. Mais la question, c'est d'où ça vient? Donc là, si je refais un petit TCP dump. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre. Donc là, je suis sur les deux DNS. Et sur les deux DNS, j'ai lancé un TCP dump. Les deux DNS sont configurés avec la même adresse IP. Hein. Donc là, si je ping. Si je ping depuis ISP2 routeur 1. Vers 10, 53, 53, 53. On voit bien que ça revient ici. Si je vais ici depuis ISP1, routeur 1, je dois avoir un ping quelque part, non? Ouais, hop, là je ping. Hop, donc là, j'ai bien chacun qui ping, ok. Donc les routeurs directs, eux, vont pas, a priori, se mélangent pas les pinceaux. Maintenant, là, je suis sur ISP6, routeur 1. Lui, a priori, il a ça. Et là, je suis sur ISP4 VPS1, mais ça m'intéresse moins. Alors, ISP6, et là, ce que je vais faire... Alors, ISP6, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Je vais me connecter sur deux autres routeurs, en fait. Je vais me connecter sur ISP5 et ISP4 parce qu'ils sont, ils sont un peu les deux plus éloignés. Donc, je vais me mettre ici en ISP4. Et là, je vais aller sur ISP5. Et donc, si je fais un show IP BGP. J'ai bien le 10.53.53.0 qui vient depuis deux endroits différents. Hop là. Et là, j'ai la même chose. Sauf que. Alors, les IP des neighbors sont pas les mêmes, mais ça, c'est pas dramatique. Mais on remarquera qu'on a un 10.4.5.
Un 10-3-4, on a un 10-4-5, un 10-5-6. Et ce qui est marrant, c'est de voir 65 004-3-2, alors que là, j'ai que 3 et 2. Et 6 et 1, et là, j'ai 5, 6 et 1. Donc en gros, pour lui, pour atteindre le réseau 10-53, le chemin le plus court, bah, c'est par ISP6 pour remonter à ISP1. Et pour ISP4, le chemin le plus court, c'est via ISP2. Si je comprends bien. Enfin, c'est via ISP3, pardon. Puis ISP2. IS65. Voilà. Et on remarquera que le dernier AS n'est pas le même. Donc, alors que d'habitude, sur les autres routes, on finit toujours avec le même numéro d'AS. On peut voir, par exemple, qu'ici, à chaque fois, hop, sur ce réseau-là, 65002, 65002. Du coup, qu'est-ce qui se passe si... donc là, on avait fini les pings. Donc là, maintenant, je vais faire un ping 10.53.53.53. Hop. Ok. Et ensuite, ici, je vais faire la même. Et donc, 10, 3, 4, 2, d'un côté, 10, 5, 6. Ok. Très bien. Donc, c'est une manière de faire. C'est une manière de faire. L'inconvénient, j'ai envie de dire, de cette manière de faire, c'est que si jamais je coupe maintenant, si je me mets ici sur les ISP2 DNS1, si ici je fais un DEL, voilà, là ça ping plus. Là ça ping plus. Donc, a priori, annoncer deux fois la route, alors, disons que ça nous fait pas de la haute dispo. Ça nous fait pas de la haute dispo. Par contre, la question que je me pose, je vais laisser le ping tourner. Qu'est-ce qui se passe si sur ISP2 routeur 1... Je fais sauter. Si je fais sauter ça. Par contre, avoir un routeur entre le 3 et le 5. Hop là. Entre le 3 et le 5. Il y en a un autre là, je ne sais pas sur lequel il va taper. Entre le 3 et le 5, bah, c'est le 4. C'est celui sur lequel... En fait, quand je fais mes tests, hop, ici, là, tu vois, là, je suis sur le routeur de l'ISP5 et là, je suis sur le routeur de l'ISP4. Pour l'instant, je ne me connecte pas au 3 et au 6. Enfin, je m'étais connecté au 6, mais je me suis déconnecté. Et entre 4 et 5, bah, entre 4 et 5... Ah, ça, tu veux dire, ça, on s'en fiche. C'est ça et ça, on s'en fiche. C'est des trucs que j'envisageais de mettre en place, mais pour l'instant, je les ai pas mis en place. Hop, voilà. Mais si on mettait effectivement un ISP7 entre les deux, on pourrait se poser la question, effectivement, vu qu'ils seraient à égale distance des deux, lequel remporterait la course. On pourrait se poser la question. Puisqu'ils seraient à égale distance. Hein. Mais du coup, là, ce que je me dis, c'est que qu'est-ce qui se passe si je fais sauter l'IP ? Si je fais sauter l'IP là, donc je fais un delete, et ensuite je commit. Et bien là, ça continue de pinguer. C'est marrant, ça. Il est monté CPDOM. J'aurais dû laisser mes TCPDOM tourner. Parce que là, du coup, il est toujours sur DNS, sur l'ISP2. Effectivement, la table ARP, ou alors peut-être même au niveau routage. Au niveau routage,
pour lui, il passe. Il a toujours les deux routes, hein. Voilà, il a toujours les deux passages. Il a toujours les deux mêmes. Donc normalement, ISP2 routeur 1, si je fais un show IP BGP. Ah oui. Exit. Là maintenant, pour lui, la route, elle passe 1. Elle passe sur le 1. Il a pu le directement connecter. Ah si, il a le directement connecté, il a le BGP. Mais normalement, il ne l'annonce plus. Alors, je pense pas que ce soit que de la RP, hein, puisqu'on est sur des réseaux différents, donc il y a du routage qui est inclus. Donc il a gardé les routes. La question c'est au bout de combien de temps ça va se... Je me demande si c'est pas les 3 minutes là. On avait un truc avec 180 secondes avant de... BGP Timers. Ah oui, non mais c'est clair, Rosnerol. Il y a un cache. Ça, on est complètement d'accord. Mais comme on est sur des réseaux différents, on n'est pas dans le même sous-réseau, c'est pas le cache ARP. Pour moi, c'est juste que en fait, l'ISP2 routeur 1, il n'a pas encore annoncé de route. Enfin, il a pas retiré la route vers le 10-53-53. Alors, quand une route fails, alors est-ce qu'on peut faire un peu de... Je peux pas lui dire de retirer une route comme ça directement? Et ouais, il y a une resynchro en cascade, voilà, c'est ça. Et pour le moment, il la fait pas. Et je me demande en fait si c'est pas le hold time. Keep alive. A priori, il y a 60 secondes de keep alive. Alors, je serais tenté de vouloir le laisser faire. Ah là là. Bah alors il me fait quoi là? Hop, voilà, reste là. Donc j'ai bien fait un... Donc si je fais un show config. Hop, donc c'est niveau BGP, effectivement, il n'annonce plus rien. Alors, là, je vais regarder sur ISP4. Alors, iOS, hop. Voilà. Et là, il a toujours les deux aussi qui sont annoncés. Alors.
Alors, si je tape VIOS withdraw root policy. Ouais, je suis pas convaincu. Bon, je suis pas sûr que ce soit ça. Je tape BGP, tiens. Bon, ça, je vais retomber, je pense, sur la procédure. Voilà, c'est ça. Pierre Parameters. Un groupe. Alors, Network Advertisements. Donc ça, on s'était mis en IPv4 unicast. Ah, c'est intéressant ça. Ça, c'est intéressant. Mais ça nous, dans l'immédiat, ça nous arrange. Oh, ça nous arrange pas des masses. Ah, j'aurais peut-être dû faire ça, tiens. Je crois que j'ai oublié de commiter sur l'autre. Ça, c'est pour changer les distances administratives. Non, mais les timers, c'est vrai que... Je peux faire un get pour voir si effectivement le... Non. C'est peut-être un show, justement. Si je fais un show... Show, configuration... Je peux faire protocole, non. Non. Alors, statistics, ouais. Dampening. Ce serait des timers. Ouais. Ça, c'est marrant, on peut même voir la quantité de mémoire qu'utilise BGP dans ce cas-là. Donc là, on a 20 routes BGP sur ce truc-là qui utilise 2240 octets. Voilà. Les attributes, ok. Donc là, ça va pour le moment, c'est léger. Hein. C'est léger.
Oui, tout à fait, c'est rien du tout. C'est rien du tout, mais en même temps, il y a, voilà, comme il le dit, il y a 20 routes, t'as à peine une douzaine d'attributs, t'as pas beaucoup d'AS. 4 peers, ça va, c'est pas grand-chose. Ce serait un routeur qui serait directement connecté à Internet et qui se prendrait une full view. Honnêtement, là, la machine, elle a 512 MB de RAM. Si elle se prend une full view sur Internet, ça va pas suffire. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il se dégage ou... J'ai l'impression que ça fait bien plus de 60 secondes. Donc je me demande si c'est 180 secondes ou si on n'atteint rien du tout. À quel moment tu as parlé de la table ARP? Qu'est-ce que tu entends par en perso? Tu veux dire faire du BGP sur Internet? Alors, oui, j'ai envie de te dire oui, parce que une personne l'a fait, il n'y a pas de si longtemps que ça. Ah, alors, oui, tu passes par ton FAI, mais alors, dans ce cas-là, comment dire, quand tu fais ce genre de choses, comment dire? Tu fais pas ça à la maison quand tu veux faire du public. Tu fais pas ça à la maison. Tu vas aller te louer un espace en data center et puis cet espace en data center, tu y mets des machines, tu y mets des routeurs. Donc oui, tu peux le faire, mais. Alors. Tac, tac, tac. Pop, 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 pom. Si jamais tu... Alors, qu'est-ce que... Parce que oui, quelqu'un l'a fait il n'y a pas très longtemps. Mais visiblement... Alors, la personne en question a eu des interviews. Mais... Mais je vois pas grand-chose. Hop là, je vois pas grand-chose. Mais en gros, si tu te demandes si quelqu'un l'a fait et qui, et ben, c'est Ataxia Network. Poum, 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 poum. Ah mais bien sûr, tout le monde peut devenir FAI. Après, il faut quand même le vouloir. parce que après, une fois que tu as créé tes... ça coûte de l'argent quand même. Déjà, tu vas aller héberger des machines chez un hébergeur. Tu vas devoir payer certaines sommes d'argent pour avoir ton numéro d'AS. Pour avoir des blocs d'adresse IP. En tout cas, en IPv4, ça va pas être donné. En IPv6, ce sera probablement moins cher. Mais c'est possible, mais ça coûte de l'argent. Après, attention, faire son FAI, ça veut pas dire que tu te retrouves du jour au lendemain avec
comment dire, tu vas pas te retrouver avec ton petit câble qui chez toi qui te met en direct sur internet sans passer par par qui que ce soit. À moins que tu aies les moyens de te faire tirer une fibre directement en data center. Ça, c'est pas pareil. Bon. Je crois qu'il va falloir, il va falloir investiguer ça un petit peu plus à l'occasion. Il va falloir investiguer ça un peu plus à l'occasion. Pourquoi alors que j'ai dézingué le... Pourquoi est-ce que j'ai dézingué le... Alors, si jamais je décide carrément... Est-ce que ça rajouterait un truc si jamais... Si je fais config et que je fais un delete interface, si je delete ça, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai oublié de commit. Voilà, commit. Donc là, je n'ai plus le 1053. Et il ping encore? Ok. Et il ping encore? Non, mais c'est quoi cette blague? Bon, je pense que j'ai dû louper un truc. Très clairement, je me doutais que ce serait pas une conf très, très propre, mais quand même. Haribo, qui nous dit, le coût de la fibre qui arrive chez soi pour faire son propre AS, c'est peut-être possible avec un FAI alternatif, genre FFDN, mais de toute façon, c'est très compliqué. Oui, sans compter qu'il faut s'assurer d'avoir deux points de terminaison optique sur un même lieu. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon. Bah écoutez, sur ces bonnes paroles, on approche de la fin du stream. Moi, je suis en train de me demander, est-ce qu'il y a un petit truc à tester encore? Parce qu'en gros, moi, ce que je voudrais, c'est m'assurer que maintenant que le... si je reviens ici, là, sur ISP2 Router 1, est-ce que j'ai un TCP dump? Je peux faire un sudo -i, je crois. C'est un Linux. J'ai un TCP dump, ouais. Si je fais moins N, moins I... alors du coup, c'était lequel? Le TH0? Voilà. Non, là, j'ai plus rien qui passe. ICMP. Alors, du coup, ce serait. S'il arriverait. Si je tentais par ETH1, est-ce qu'il y a du trafic qui arrive? Là, j'ai des trucs. Si je fais juste de l'ICMP. Donc, ça. Il y a un echo request, il y a un echo reply. Ok. Et si je vais sur ETH0. J'ai rien du tout. Ce serait le routeur qui répond au ping? Ce serait le routeur qui répondrait au ping? Alors, il y a une ETH1 et la ETH2, par curiosité. Ou alors il rebalancerait sur... Ah, il aurait redirigé vers... ça y est? Ah non, il l'aurait... Non, il l'a pas redirigé là. C'est... Ah si, c'est le... Si, si, il l'a redirigé. C'est le même ID. 10, 3, 4, 2. Si, ça y est, il l'a redirigé. Quand j'ai viré l'interface, ok. Et en fait, là maintenant, il fait juste router le trafic. Ok. Ok, d'accord. Là, là.
Ok, là je comprends mieux. Je comprends mieux. Salut à toi, Famacito. Donc oui, pour simplifier les choses, vous avez juste à aller sur ma page perso et vous retrouvez les liens vers mes réseaux sociaux. Donc vous retrouverez notamment mon profil sur GitHub, vous retrouverez sur Twitter, enfin tout ce qui est déjà indiqué là en fait, avec notamment le merci pour le follow. Merci pour le follow, Famacito. C'est très gentil. Et vous allez retrouver aussi effectivement le Discord. Bon, au moins là je comprends mieux quand quand on fait carrément sauter l'IP, ça. Il n'y a pas de souci, Rizjack. De toute façon, là je vais m'arrêter, il est l'heure. Je vais d'ailleurs changer de scène. Hop, ici, comme ça. Et puis on va conclure sur cette histoire. Bon, alors je me doute que. Pour l'instant, la config, elle est quand même pas très propre. Je pense qu'il y a des trucs, il y aura des trucs à voir, effectivement. Tenter peut-être du routage multicast ou des choses comme ça. À voir comment ça se place. Essayer de faire quelques recherches sur le sujet. Donc là, du coup, je vais peut-être essayer de préparer. Mais vous ne verrez pas les résultats avant plusieurs semaines. Parce que, donc, à partir de dimanche, après le stream de dimanche. Je passe en vacances pour 3 semaines. Et au mieux, ça veut dire que le prochain stream sera le dimanche 11 septembre. Sinon, ce sera le jeudi d'après, donc le 15 septembre. Habituellement, donc je stream les jeudis de 20h à 22h et les dimanches de 18h à 20h. Merci beaucoup pour ton follow, Miku. Merci à toi, c'est très gentil. Donc je stream donc le jeudi de 20h à 22h et le dimanche de 18h à 20h. Habituellement, donc les streams du jeudi sont sur mon labo Ascode. Donc là on a fait un peu de BGP, mais on fait aussi de temps en temps de l'Ansible, du Cloud Init, du Terraform, pour avoir ce labo qui fonctionne de façon automatisée. Et on peut essayer comme ça des expériences comme voilà, faire des petites configurations BGP un peu bizarres et voir ce que ça donne. On pourra aussi faire des configurations bizarres sur des services web, des services DNS et voir ce que ça donne, par exemple. Un autre truc, c'est qu'est-ce que je fais les dimanches habituellement? Alors déjà dimanche dernier c'était un petit peu spécial, j'avais voulu introduire un sujet que j'espérais streamer pendant entre guillemets les vacances, mais a priori j'aurais pas la possibilité de streamer pendant les vacances. Le laptop n'est pas assez puissant. Et donc habituellement le dimanche j'essaye de faire du conteneur, et ces derniers temps on essayait de faire du Kubernetes. C'est probablement ce que je vais faire le dimanche qui arrive, sauf si je propose un autre sujet. On pourra peut-être essayer de continuer le sujet que je voulais faire que je voulais introduire pendant les vacances, qui est à propos d'un logiciel pour apprendre à maîtriser le shell en jouant, qui s'appelle GameShell. Donc je pourrais peut-être repartir sur ce sujet-là ou revenir sur Kubernetes. Je ne sais pas encore. Toujours est-il que cube plus Ansible égale 100% fun. Alors, on n'y est même pas à l'Ansible. Déjà, je pense qu'on se prend déjà bien la tête rien qu'avec cube. Puisque les streams précédents, on avait fait du K3S, on avait fait du Rancher. Ça n'avait pas été d'une réussite formidable. Le dernier stream cube, c'est on commençait à mettre en place Kubernetes The Hard Way. Pour le moment, on avait juste fini les préparations et on attendait de rentrer dans le vif du sujet. Donc, voili, voilou. Vu qu'on est on est quand même 19 et que bon bah il n'y a pas rancune ce soir, mais il y a peut-être d'autres gens. Et ce que je me dis, c'est que ouais, il n'y a pas grand monde. Si vous avez quelqu'un à raider, par exemple, on pourrait y aller. Sinon, ça risque de rester comme ça pour ce soir. Un petit peu calme.
Je sais pas si vous, vous avez des gens que vous suivez sur, sur Twitch. Hop, des gens qui seraient dans sciences et technologies. Alors, est-ce qu'il y a des gens que on pourrait... En 6 ops, 2 ops, il n'y a pas grand monde en français, ouais. Alors je pensais à Virtual Labs, mais je l'ai déjà raidé 25 000 fois. Il va croire que je le harcèle. Donc on va en rester là pour ce soir. C'est pas grave. Tant pis. Bon, et bah du coup, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Je vous donne rendez-vous ben, soit dimanche, soit dans 3 semaines. Allez, bye bye!